Chers amis, je voudrais vous dire merci. Et je voudrais dire que, porter ce micro, chers amis, pour vous expliquer l'actualité essentielle. Ces jours-ci, vous avez entendu parler de la marche des jeunes de l'opposition en Côte d'Ivoire, la CNJC, qui était sauvagement réprimée et la répression a fait 4 morts et plusieurs blessés. Dans cet événement, chers amis, ce qui est marquant, ce n'est pas tant le fait que Ouattara et son pouvoir puissent mater les jeunes de l'opposition, mais ce qui est marquant, c'est l'attitude qu'ont eu certains leaders de l'opposition vis-à-vis des jeunes de l'opposition. Et c'est ce qui nous intrigue. Il est important, chers amis, de préciser les choses. La CNJC, qui est la Coalition Nationale des Jeunes pour le Changement, a été une idée qui a été inspirée par les jeunes de l'opposition. Lorsque la crise au sein du FPI avait éclaté et qu'un sentiment d'inquiétude avait commencé à gagner les jeunes Ivoiriens et les Ivoiriens en général, les leaders de jeunesse de l'opposition ont estimé qu'il ne fallait pas laisser grandir le sentiment d'inquiétude. Il ne fallait pas laisser croire que la rue était devenue un tabou en Côte d'Ivoire. Il fallait continuer à entretenir l'espoir dans l'esprit des Ivoiriens. Voilà comment, sous l'impulsion de Croix Justin, des jeunes tels que Zagor Alain Durand, tels que Samba David, tels que les jeunes du COGEP ont décidé de mettre en place leur coalition. Et c'est au moment où ils avaient fini de jeter la base de leurs actions à mener qu'on a assisté tous à la création de la Coalition Nationale pour le Changement, composée de partis politiques que vous connaissez. Les jeunes de l'opposition en Côte d'Ivoire ont décidé de vaincre la peur. Parce que pour eux, marcher est un droit. Revendiquer est un droit. Parler est un droit. Il ne fallait pas attendre que Ouattara signe un décret d'autorisation de parler pour qu'on puisse parler. Alors, ils ont choisi le 9 juin dernier pour marcher en Côte d'Ivoire, à Abidjan et sur tout le territoire. Les jeunes ont marché ce jour, effectivement. Malgré la pluie, malgré la répression sauvage de la main de Ouattara, malgré la sauvagerie des pro-Ouattara dans des endroits, notamment à Guiglo, les jeunes ont marché. Et malheureusement, on a dénoté les morts, les 4 morts, plus les blessés. Mais le scandale, et c'est là que j'insiste, le scandale, c'est la réaction que certains opposants ont eu de ces jeunes-là. Moi, j'estime qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes qui ont marché pouvaient avoir, je dis, la sanction de Ouattara et autres. Ça, c'est ce qui est classique. C'est ce à quoi on est habitué. Mais lorsque Mamadou Coulibaly, Samba David, vient là pour désavouer les jeunes de l'opposition en prenant distance vis-à-vis d'eux, à mon avis, chers amis, en Côte d'Ivoire, il y a lieu de couper de l'opposition. Parce que, souvenez-vous, la marche qui a donné à Paul Laurent sa victoire en 2000 n'a pas été autorisée. Les jeunes ont marché contre la vie de Robert et ils ont restitué à Paul Laurent sa victoire. Cette marche n'a pas été autorisée. Et si après, Manu Koubali a pu devenir député et ensuite prendre l'Assemblée nationale, parce que la marche hier, les jeunes ont marché et puis le pouvoir a été restitué à Paul Laurent. Donc, tout ce truc pour marcher. Même quand ils font les démarches à la mairie, au ministère de l'Intérieur, et qu'on leur dit non, les jeunes acceptent d'aller au-devant du défi, et puis vous avez le moyen de venir à la télévision, sur Facebook, des déclarations pour les avouer. Je vous ai dit ici à ces opposants, ce qu'on peut aussi appeler opposants, que dans une opposition, on ne désavoue pas la crainte de l'opposition qui est la jeunesse. Voilà. Les jeunes c'est la vigueur, les jeunes c'est la force, les jeunes c'est, le défi. Donc, vous aurez dû avoir une attitude, d'encadrement, de conseil peut-être, mais de là aller désavouer les jeunes à base publique, c'est honteux et ce n'est pas bien. Je voudrais dire donc à ceux-là que ceux qui sont aujourd'hui indignes de Bakon, ce sont eux. Ceux-là qui sont opposants, et qui estiment que
La rue est un tabou. Ceux qui sont opposants et qui disent que pour pouvoir avoir cette trace civique, il faut attendre que le pouvoir soit content, soit heureux. Vous le donnez, ça soit des opposants, c'est d'autres opposants. Et c'est dommage. Si un pouvoir devait, si on devait attendre un pouvoir qui puisse être heureux, que la vie ne soit pas son fin pour distribuer la liberté aux citoyens, je pense que Hitler aurait fait encore plus des centaines d'années, je dis, au pouvoir d'Allemagne. Même ici en France, on est ici là, à notre Bastille. La marche en juillet 1789 qui a octroyé aux Français leur liberté qu'on appelle aujourd'hui la marche du 14 juillet. Cette marche-là avait été autorisée par la royauté. Le roi a été contre cette marche, mais les Français sont venus ici-là. Et puis ils ont dit non à la royauté, non à la principauté. Et ils ont arraché ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, la République. C'est cela. La liberté ne s'octroie pas comme on distribue des petits pains. La liberté s'arrache. Et quand un pouvoir veut renier au peuple son droit s'exprimer et que le peuple décide d'arracher ce droit de parler, ça c'est pas du désordre. C'est ce qu'on appelle l'ordre rétabli. Ça peut ressembler à des résurrections comme eux le disent. Quand des jeunes disent que nous on est ivoiriens, on a droit à l'expression, on a droit à nos rues, on a droit aussi à dire ce qu'on pense, et qu'en face on est barricade. Quand ces jeunes-là prennent l'insobrité et puis ils courent dans la rue, ils marchent, on peut dire que ça ressemble à des autres, ça c'est des autres. Ça, c'est de l'ordre rétabli. Parce que l'injustice qui est rétablie par la force, par la vigueur, ça c'est de la justice. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Les frères, on est en fin de rassemblement. Moi je vous souhaite simplement Dieu, je voudrais te tenir. Et par ta foi, par ta présence, je voudrais dire à l'homme qui est aujourd'hui à la haie, Bago Laurent, qu'aujourd'hui, notre peur, ce n'est pas qu'il soit condamné à la haine, ça c'est pas notre peur. Notre peur, c'est d'être indigne du combat qu'il mène. Notre peur, c'est que notre jeunesse ne soit pas à la hauteur du combat qu'il mène. Lui qui est d'un certain âge et qui a accepté de pouvoir attendre les bombes sous sa tête. Et que nous aujourd'hui, on n'est pas dit que comme il pleut, comme il fait chaud, on va reculer. On ne reculera pas. Jamais. On ne reculera pas. Donc aujourd'hui, le combat continue. Le combat peut être long, mais ce combat-là ressemble à un process qui peut te passer 9 mois, qui peut aller 9 mois, mais qui est promise à l'accouchement. Ça sera douloureux. La Côte d'Ivoire va remettre ça. La Côte d'Ivoire va être restituée de sa dignité, de ses droits, pour que les Ivoiriens puissent savoir que la Côte d'Ivoire est dans leur pays et sur leur terre. Ouattara, une parenthèse, Ouattara sera fermée d'ici peu. Je vous remercie.